Monsieur Zita. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, la journée était bonne? Très bonne. Super. Alors, je voulais vous voir. Vous savez, je comprends ce que vous allez me dire. J'ai vraiment, vraiment besoin de vous. Je reçois un client, Monsieur Dumont, qui sort de métropole. Il veut investir dans une flotte de bateaux. D'accord? Pour faire des croisières inter-îles, il me le faut. Ça fait quand même deux fois que vous refusez de travailler le samedi. Je comprends, mais là, j'ai besoin de vous. Oui, entrez. Bonjour. Monsieur Zita, vous m'avez fait quoi? Je vous attendais samedi. Le samedi, je vais adorer mon Dieu. Cela ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais, je comptais sur vous. Ça fait trois samedis. Trois samedis. Et puis vous faites ça. Non. Vous êtes viré. Je ne veux plus entendre parler de vous. Vous sortez de mon entreprise. Vous allez voir la RH. Vous me virez? Oui, je vous vire. Oui, je vous vire. Je vais perdre l'argent avec vous. Mais je suis votre meilleur employé. Mais ça ne me regarde plus. Vous sortez. Vous sortez. Vous voulez que je vous aide à sortir? Vous sortez! Sans déconner. Eh ben. Monsieur Zita, tenez. Et la tarte. C'est clair, j'ai trop faim. Moi aussi. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour le repas que nous allons partager. Bénis les mains qui l'ont préparé. Au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai été licencié par mon patron. Quoi? Comment? Mais c'est pas possible. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire pour avoir mon nouveau téléphone à la Shania, fin du trimestre? Ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet. Pardon, excusez-moi. Mais bon, c'est pas si grave finalement, puisque tu nous as toujours dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à fait. Je pense que nous devrions remettre tout cela entre les mains de Dieu et nous devrions prier. Ok. D'accord. Worthy is the Lamb who was slain, the one who broke down the great wall of enmity and gave me his name. How gracious is my Redeemer King Jesus, the Son of the Highest, and what could I possibly. Alors comme ça, tu ne seras pas avec nous le week-end prochain au non restaurant? Non les gars, non, je ne serai pas avec vous la semaine prochaine. Et en plus, là, j'ai d'autres priorités en ce moment. Ouais, mais on t'a jamais connu comme ça avant. Hein. Tout ça à cause de poste que tu as refusé. Pour une question de 7e jour, où il faut se reposer. Les gars, oh, Dieu a dit, souviens-toi, du jus du repos pour le sanctifier. Ça va être très important. Mais quelle mouche t'as piqué, mon gars? C'est l'argent qu'a mené. Vous comprenez, mon Dieu, qu'est foudroyé pour ça? 3 heures de travail! Dieu avait dit, souviens-toi, il savait que l'homme aurait oublié le 7e jour, le jour qu'il a crié pour nous. En plus, c'est bientôt l'anniversaire de ta femme. Tu vas lui offrir quoi, puisque t'as plus un sou? Tu crois qu'elle va longtemps accepter de vivre d'amour et d'eau fraîche? Déjà, je trouve qu'elle a bien tenu. Hein. La mienne, avec le train de vie qu'on a. Hein. Les gars, Dieu me bénit, même dans l'épreuve. Dieu me dit toujours. Il me permet de passer du temps en plus avec ma famille. Vous vous rendez compte? C'est pas souvent que j'ai l'occasion. Assez de bonnes paroles.
En plus, il est tard, il faut qu'on y aille. Ah ouais. N'oublie pas que demain, tu as ton entretien. Qui sait? Avec un peu de chance, tu seras peut-être mon conseiller commercial en assurance. Ce n'est pas de la chance. Oui, on sait, c'est Dieu qui agit. Bonjour. Bonjour monsieur, veuillez prendre place. Je suis monsieur Zita. J'avais rendez-vous ce matin à 10h30, mais j'ai eu un contretemps sur la route. Effectivement, l'heure de votre rendez-vous est passée. Je vais voir si madame Mauger peut faire une exception. Oui, madame Mauger. Vous êtes déjà à plus de 30 minutes de retard. Je suis désolée, mais la prochaine fois, tâchez d'être ponctuelle. Madame Auger, bonjour. Bonjour. Mais... Bonjour. Bonjour. Madame Auger, c'est l'entretien de ce matin? Oui. Venez avec moi dans mon bureau, nous allons terminer cet entretien. Madame Gestel, ramenez-moi l'agenda, s'il vous plaît. Merci. CV. C'est tout ça? Ok. Eh bien voilà, monsieur Zita, j'ai une proposition à vous faire. La semaine prochaine, j'ai un poste de responsable d'agence qui se libère. Êtes-vous intéressé par ce poste-là? Eh bien, j'accepte avec plaisir. Eh bien ok, si vous êtes d'accord, ça me fait plaisir aussi. Merci. Je vous donne rendez-vous lundi avec madame Auger qui va vous présenter le personnel. D'accord, merci à vous, madame Auger. Vous avez de la chance aujourd'hui, hein? Eh bien, je dirais que c'est Dieu qui agit.